Street? Oui, voulez-vous me donner le numéro d'Elizabeth Sayers à Los Angeles? Oui, KL58937. Merci. Votre nom? Martha Sayers. Je vous en prie, c'est urgent. Faites vite! Elle est sûrement là. Si sûrement, elle me l'a dit. Essayez encore. Oh. Oh. Elle devait être là, elle m'attend. Vous êtes sa sœur? Oui. Elle est allée faire des achats. Elle m'a dit... vous donner la clé. Votre sœur, mademoiselle Sayers. Il est arrivé quelque chose. Elle a hurlé et elle s'est enfermée. J'ai essayé toutes les portes et fenêtres. Tout est fermé. Excusez-moi, j'ai une clé. Martha,
c'est moi, Elisabeth. Je t'en prie, ouvre la porte. Faudrait briser la chaîne. La décision du coroner, mademoiselle Sayers. Lieutenant, ma sœur ne s'est pas suicidée. Elle n'avait aucune raison de faire ça. En tout cas, pas actuellement, j'en suis sûre. Personne ne pouvait entrer derrière elle. Les portes et les fenêtres étaient toutes fermées de l'intérieur. Lieutenant, elle ne s'est pas suicidée. Elle serait venue de Boston par avion, aurait loué une voiture à l'aéroport pour venir se suicider chez moi. Dans les histoires de suicide, il n'y a pas de logique. Écoutez, vous êtes bouleversé. Votre attitude en est une d'ignorance. Si elle avait dû se suicider, elle l'aurait fait en d'autres moments, quand nos parents sont morts ou quand on nous a mis en pension dans des institutions séparées. Mais pas maintenant. Mais vous avez admis qu'elle avait un penchant pour la tristesse. Que c'était une solitaire. Au fait, ces dernières années, vous l'aviez peu vue. Interroger les filles de sa classe. C'est fait. Et son ex-compagne de chambre, Lucy Denbrough. Est-ce que vous croyez réellement que ça apporterait quelque chose? Oui, elles ont vécu ensemble 2 ans. Elles connaissaient très bien Martha. D'accord, mademoiselle Sayers. On a vu mademoiselle Lucille Amora dans l'institution, ainsi que plusieurs des camarades de classe de Martha, et également sa directrice. Personne n'a pu nous éclairer. Je ne vous crois pas. Nous ne tenons rien d'assez convaincant pour donner suite à cette affaire. Je suis désolé, mais l'affaire est close. Pas pour moi, lieutenant. Oh, j'aurais voulu aller aux funérailles, seulement c'était si inattendu. J'ai dit aux policiers quand ils sont venus que tout avait l'air d'aller très bien ces temps-ci, que Martha et moi, on avait trouvé du travail. Voulez-vous que je vous change votre chéri contre un peu de vodka? Non, je vous en prie, n'en faites rien, je ne bois que très rarement. Quand j'ai eu fini mes examens, j'ai sauté sur ce studio, surtout que le prix en était plus que décent. Lucie, dites-moi, est-ce que Martha écrivait son journal? Oh, ce n'était pas son genre. Vraiment, Martha vivait au jour le jour. Mais je suis persuadée qu'il y avait quelque chose qui la troublait. Non, rien que je sache. Mais vous ne voulez pas de vodka? Non, merci. Vous êtes sûre que rien ne la troublait, qu'elle n'était pas anxieuse? C'est très possible. Elle pensait à ses notes et à vos retrouvailles dans une maison que vous et elle partageriez. Vous ne voyez rien d'autre? Quoi d'autre? Une personne ou quelque chose au collège, je me demande. Il a dû se passer quelque chose. Non! Il a dû se passer quelque chose d'important au collège, j'en suis persuadée. Je saurai ce qui est arrivé. Rien ne s'est passé, je vous dis. Je vais me renseigner. Ça ne servira à rien, rien du tout. À rien! Je dois tout tenter. Si vous y allez, on ne s'est pas vu. Je ne vous ai rien dit. Promettez-moi de dire que vous ne m'avez pas vu. Je vous en prie. Je m'excuse. Martha est morte et c'est affreux. Pardonnez-moi. Oui, bien sûr.
Lockhart à Lockhart, on nous a envoyé en délégation pour te recevoir. Le dragon de service nous a préparé un fort joli speech, mais j'ai peur qu'il te prenne l'envie de fuir. Je me nomme Elizabeth Morgan. On sait. On nous a parlé de toi. Voici Debbie Jones. Bonjour. Et Jody, quelle heure? Bonjour. Bonjour. Jody, si on prenait ses bagages. D'accord. Le dragon veut qu'on te fasse tout visiter tout de suite. Qu'on veille à ce que tu sois nourri, logé, et à ce que tu te sentes des nôtres avant même que tes bagages ne soient défaits. Est-ce qu'on s'en tire? Je me sens déjà chez moi. En fait, le dragon nous a dit... Est-ce qu'il n'a pas un autre nom? Directrice. C'est un presque peintre, un sculpteur encore pire et une navrante musicienne. La directrice rêvait pour diriger une académie de beaux-arts. Il y a ceux qui sont doués et ceux qui enseignent. Mais cette maison a une excellente réputation. C'est vrai. Certains professeurs sont fameux, vraiment fameux. Il faut dire que Jody est entichée de notre section beaux-arts. On l'est toutes. Ce n'est pas du travail. À condition d'aimer ça. Pouligny Montrachet. 69. Ah, elle fait semblant de s'y connaître, hein? L'étiquette l'impressionne, c'est tout. À tes succès. N'en laisse pas ou tu risques de manquer de courage pour affronter le dragon. Santé. Ici, à Salem, nous sommes persuadés que seules les jeunes filles du monde ont le potentiel qui permet de faire d'elles des jeunes femmes cultivées au goût infaillible. Nous avons nos traditions. Mais je crois que, comme la plupart des traditions, elles sont appelées à disparaître. Pas toutes, tout de même. Excellent. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de réaction. Je ne sais ce qui se passe, mais j'ai l'impression que la plupart des jeunes, en particulier dans les arts, ne sont guère attirés par ce qui est technique traditionnelle ou ce qui relève du classicisme. Picasso s'est fait connaître comme peintre réaliste avant sa période rose. Je reconnais que c'est fort pertinent. Voyez-vous, cette académie a toujours eu ses traditions. Et même si elle a changé plusieurs fois de nom, ça fait près de 300 ans qu'elle existe. Bien, Elizabeth, je me rends compte que vous devez être fatiguée par votre voyage, mais puisque vous êtes inscrite pour ce trimestre, je crois qu'il serait plus sage de commencer vos cours dès aujourd'hui. Merci de m'avoir accepté. Vous avez les qualités requises. Maintenant, il se peut que vous ayez besoin de cette lampe. Notre maison se trouve passablement éloignée de la centrale électrique et il arrive que nous ayons des pannes plus souvent que notre tour. Il ne faut surtout pas être inquiète. Gardez cette lampe dans votre chambre. Généralement, ce genre d'incident ne dure que très peu de temps. Tenez, voici votre horaire complet et là, c'est la liste des cours d'aujourd'hui. Professeur Klempert, art graphique et sculpture, professeur Delacroix, le behaviorisme et ses lois. Oui, tous les deux vont vous passionner. Leurs cours respectifs sont vraiment très intéressants. Bonne chance, Elizabeth. J'ose espérer que Salem vous apportera autant de joie qu'à moi quand j'y étais étudiante. Mais... Madame Williams à l'appareil. Si l'illusion et la réalité sont différentes, on peut dire aussi qu'elles sont semblables. Ce que l'on croit voir est aussi vrai que ce que l'on voit en fait. Exemple. Observez avec soin ces cubes. Quelles sont celles qui voient sortir les cubes de la toile comme s'ils étaient projetés en dehors? Levez les mains. Bien. Maintenant, celles qui perçoivent les cubes comme projetés à l'intérieur. D'accord, on va essayer autre chose. Attention, quand je taperai des mains, cligner des yeux et ensuite fixer le dessin sans ciller. Et que celles d'entre vous qui voient l'inverse de l'image que vous avez vue, lèvent la main. D'accord, vous y êtes? Battez les paupières. Maintenant, fixez la toile. Qui? Oui, moi aussi. Bien. Bien.
Tout le monde, sauf notre nouvel élève, qui semblait pourtant se concentrer. Navré, je crois que je manquais de concentration. Oh, je n'en crois rien. Vous étiez concentré sur quelque chose, ce qui a fixé dans votre esprit le dessin vu auparavant. Vous ne devez penser qu'au dessin. Mais j'ai fermé mes yeux. Pas votre esprit. L'artiste doit faire le vide dans son esprit pour pouvoir voir les choses sous divers aspects, pour oser voir les choses sous un angle différent de celui des profanes. J'aimerais jeter un coup d'œil sur vos chefs-d'œuvre maintenant. Voyons ce paysage de Roberta. Je dois dire que c'est encore un peu léché, mais il y a un net progrès. Quant au portrait de Debbie, il est sinistre. J'espère que cet enfant va se dérider. Où se trouver un nouveau flirt? Une chose est sûre, n'oubliez pas que tout est à la fois illusion et réalité. Excepté les notes que vous aurez à la fin de l'année. Jusque-là, fuyez les préjugés. Profitez de la vie. Détendez-vous. Bien, à ce soir. Au revoir. Tout à l'heure, fini, ami. Excuse-moi une minute. Roberta! On se revoit plus tard? Debbie! Elle est bien, ta peinture. Tu es la seule de cet avis. La fille a un visage expressif. C'est une élève d'ici? C'était Martha Sayers. Elle est morte. Oh. C'était une de tes amies? Non, à vrai dire. J'ai juste trouvé qu'elle... Quoi? Qu'elle convenait au décor. Oui, j'arrive. Tu es prête pour le second round? Oui, quel est le cours suivant? Les rats. Vous constaterez que la faim des rongeurs s'aiguise d'heure en heure. Ceux-ci vont s'efforcer de trouver leur nourriture à l'endroit où... En principe, ils pensent la trouver, mais où il arrive parfois qu'il n'y ait rien. On leur apprend à trouver ce qu'ils cherchent derrière la porte rouge. Et une fois leur réflexe conditionné dans ce sens, on dépose la nourriture derrière la porte blanche. Et on recommence le processus inverse. Encore. Et encore. Et encore. Dans quel but, Roberta? On veut les frustrer, les rendre fous. Pourquoi ferions-nous ça? Debbie. Je n'en sais rien. Bien sûr, le contraire m'est étonné. Autant interroger ces rongeurs. Elisabeth, quel est l'objet d'une telle expérience? De les rendre passifs. Pourquoi les rendre passifs? Pour qu'ils n'aient plus jamais envie de batailler. C'est exact. Et aussi démontrer qu'on peut briser toute volonté par manipulation. Jusqu'à un point déterminé. Qu'on peut la faire plier comme on veut qu'elle fasse. Ou se rendre à nos désirs. Terminé. Au revoir, monsieur. Merci, à demain. Merci, monsieur. Merci, rapide. À demain. J'ai oublié de prendre des notes. Je te prêterai les miennes. Des chics, merci. Oh, salut, faut que je voie le dragon. Et lorsque vous lui marchez sur la queue, il crie. Mais si c'est la tête que vous aplatissez, c'est le silence. Quelqu'un peut-il m'en donner la raison? D'un autre côté, vous devez toujours avoir en vue lorsque vous êtes... Lorsque... Allez, je suis désolée. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est effrayant. Oui, restez, mais je vais vous rire là. Elle est brûlante. Le docteur ne devrait plus tarder. Debbie. Disons-le à la directrice pour qu'elle avertisse sa famille tout de suite. C'est inutile. Pourquoi? Elle n'a plus ses parents, elle n'a qu'un tuteur qui voyage quelque part en Europe. Salut.
Debbie, le docteur va bientôt venir. Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien que je sache. As-tu eu ça auparavant? Avoir quoi? Tu ne te rappelles pas t'être mise à hurler dans le couloir en sortant du cours de psycho? Tu avais l'air de souffrir terriblement. Je ne souffre de nulle part. Au fait, quelle heure est-il? 6h30. Oh, il faut que je fasse un brin de toilette, je ne vais pas être en retard à la réception du docteur Klampert. Oh, j'en prends encore un peu. Mais nous pouvons prendre à la légère une chose pareille. Il n'est pas question que je le prenne à la légère. Toutefois, reconnaissez que je n'ai en même qu'une relation un peu vague des faits. Pas question que vous jugiez de la croix, mais essayez de le questionner à propos de son cours, de son intransigeance envers Debbie, de façon à tirer vos propres conclusions. Et si je n'en tire aucune? Dans ce cas, on le laissera tomber. À moins que quoi? Que quelque chose de nouveau se produise. Il n'y a qu'à attendre que quelque chose se produise, ce dont je doute. Et oui, Jodie, elle avait promis de venir. Elle va encore ranger des dossiers avec le dragon. Oh. Inutile de regarder l'heure, vous ne partirez que lorsque vous aurez terminé. Oui, madame. Et comment va Debbie? Ça a l'air d'aller. Judy, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Je veux dire, dans l'attitude de vos maîtres ou compagnes de classe, à part Debbie. Non, madame. Si, si, le docteur. Si, si, le docteur, dites-lui bien que je lui demande de passer. Académie Salem? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. C'est la police de Boston. Où est-ce que tu vas pendant tes vacances? Lucie Dembro. Elle vient de se suicider. Réveillée. Elisa, est-ce que tu dormais? Non. Je ne te dérange pas, je ne pouvais pas dormir. Non, tu ne me déranges pas.
Je ne la connaissais pas, mais le suicide de cette jeune fille m'a remuée. Lucie ? Mm-hmm. Oh, Lucie était gentille, était très gentille. Tu as parlé du deuxième suicide tout à l'heure. Martha Sayers. Elle s'est suicidée, elle aussi. La fille qui est sur ta peinture ? Qu'est-ce qui a pu les y pousser ? Je n'en sais rien. Disons que... qu'elles étaient des rats dans un labyrinthe. Comme nous toutes, peut-être. Oh, si cette fichue électricité pouvait revenir. Pour en revenir à ton tableau, je l'aime vraiment beaucoup. Mais cette Martha a l'air en proie à une grande frayeur. Je peins ce que je sens. Pourquoi était-elle si effrayée? Je l'ignore. Est-ce que c'était à cause de l'endroit où elle se trouvait? À quel endroit l'as-tu peint, Debbie? Ça a l'air si étrange, si glacial, si sinistre, on croirait un donjon. C'est un souvenir au creux de ma mémoire. Oui, c'est 10 ans le souvenir d'une pièce que j'ai vue il y a bien longtemps. À quel endroit? Ici, ici. Je suis presque sûre, je suis persuadée que c'est dans cette bâtisse. Eh bien, il vaut mieux que tu dormes un peu. Je te quitte. Bonne nuit. Et bonne nuit. À demain. Thank you.
Qu'est-ce qui se passe? Cette pièce sur ta peinture, je l'ai trouvée. Non. Non. Non, j'ai inventé cet endroit. C'est identique. Je n'ai jamais vu cet endroit, jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne suis pas effrayée. Si Debbie parle. Non, il n'y a rien, rien du tout. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais avec quoi? Avec rien, je te dis, sors de ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit que j'avais trouvé l'endroit où son portrait se situait. C'est dans la cave de cette bâtisse. Alors? Eh bien, quelque chose concernant cette peinture la terrifie. Ou seulement quelque chose qu'elle imagine. Tu sais, Debbie est une fille émotive. Tu t'en es rendu compte. Et une fable court dans cet établissement à propos de gens qui auraient été tués dans une cave il y a très longtemps. Que se serait-il passé exactement? Lorsque les sorcières de Salem ont été jugées, 8 jeunes femmes furent accusées de sorcellerie et pendues toutes les 8 dans un cellier. Oui, mais tous ces vieux édifices ont des celliers et on ne peut savoir dans lequel. Je vais dormir. Je crois que c'est ce qu'il nous reste à faire. Roberta, il y avait une personne dans la cave tout à l'heure. Je l'ai vue. Pour l'amour du ciel, ne dis rien, Debbie. Cette pression, certains rongeurs craquent très vite, d'autres tiennent plus longtemps, mais tous, sans exception, tous ces rongeurs en viennent à une forme de totale confusion, d'aveuglement, d'actes déréglés que les humains appelleraient réactions psychotiques. Mais ces petits animaux sont surtout épouvantés. Tâchons de voir pourquoi ils sont effrayés. Roberta. Je croirais qu'ils sont plus furieux qu'effrayés. C'est leur terreur qui motive en fait leur colère. L'être humain réagit de la même façon. Tous nous sommes portés à la violence sous l'empire de la terreur. Plus que sous toute autre émotion. Quand je dis violence, je veux dire que cette terreur conduit parfois au meurtre. Mais ne vous laissez pas tromper par cela. Les humains traduisent leur terreur autrement que les rats, sans cavalcade et sans cri. Ça peut parfois les amener, tôt ou tard, à l'abandon de toute résistance, de sorte que qu'une forme de passivité va s'emparer d'eux. Et quoique passive, la réaction humaine peut être plus dangereuse à ce stade de la terreur. Elisabeth, que retirez-vous de cette expérience ? Bien, c'est plutôt confus, à vrai dire. Voulez-vous nous voir reconnaître l'élément peur ou la motivation de la violence? Jody? Oh, ça me dépasse. Je suis encore plus perdue que ces pauvres rats. Je ne sais pas si Debbie prend cela avec aussi peu de sérieux que vous. C'est terminé pour ce matin. Il est complètement fou. Oui, et ça a l'air d'empirer de jour en jour. Je vais mettre la directrice au courant de son comportement. À tout à l'heure. Oui. Qu'a-t-il voulu dire à propos de Debbie? Je me demande. Roberta. Je crois que c'était le professeur Delacroix que j'ai vu dans le cellier cette nuit. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Eh bien, ce soubassement, cette cave, ce cellier ressemblent en quelque sorte à son labyrinthe. On pourrait peut-être y retourner toutes les deux tard ce soir lorsque tout le monde sera endormi. Et si je faisais erreur? L'inquiétant, ce n'est pas ça. C'est si c'était vrai.
c'est la première fois que tu viens par ici? On est venu une fois pour des accessoires de comédie. C'est par ici. Elles étaient faites comme ça, il y a des centaines d'années. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est défendu de circuler la nuit. Debbie est morte. Quoi? On a découvert son corps dans le cellier. Comment ça? On l'ignore. On dirait qu'elle semble s'être suicidée. Oh! Oh, juste ciel! Il faut que je téléphone au shérif. Allô, ici Madame Williams, la directrice de l'Académie de Salem. Il faut nous envoyer quelqu'un tout de suite. Oui, merci. Ils vont avertir le shérif aussitôt que possible. Qu'est-ce qu'on fait pour Debbie? Je vais dire au docteur Clampett de verrouiller la porte du cellier et d'attendre le shérif. Et vous allez me promettre de ne rien dire à vos compagnes jusqu'à ce que la police arrive. Je ne veux pas de panique au milieu de la nuit. Oui, madame. Pauvre Debbie. Et Lucy Denbrough, cette autre, Sayers. Elles ne se sont pas toutes suicidées, on ne peut pas croire cela. Ce serait bien une drôle de coïncidence. Plutôt, trois filles, trois élèves d'une même école. Non, c'est un meurtre. Ou quelqu'un les a incitées à se suicider. Comme pour les rats dans le labyrinthe. J'en mets la main au feu, tu sais. Que savons-nous sur Delacroix? Pas grand-chose. Mais on peut trouver son dossier personnel là, dans le meuble où le dragon garde les chemises de tout le monde. Excellente idée. Dépêchons. Bergman. Attends une seconde. On l'a sorti. Très bien. Maintenant, le dossier de Lucy Denbrough et de Martha Sayers. Pourquoi? Une idée. Il n'y a rien sur Martha Sayers. Le dossier de Lucy Denbrough a disparu aussi. Peut-être les a-t-elle enlevés après leur mort. Voyons si celui de Debbie. Non plus. Mais la directrice ignorait qu'elle était morte jusqu'à tout à l'heure. Pourquoi aurait-elle pris ces quatre dossiers pour les mettre ailleurs? Ça n'a vraiment aucun sens.
Il est probable qu'elle ne sait même pas qu'ils ont disparu. Allons voir dans la classe de Delacroix. Vaudrait mieux attendre le shérif. Ça pourrait bien être trop tard. D'accord. Mais je t'assure que dès demain aux aurores, je quitte cette baraque. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je viens tout à coup de songer à une autre coïncidence, à quelque chose que les trois victimes avaient en commun. Quoi ? Elles n'avaient absolument personne à qui faire appel, personne, tous leurs parents sont morts. Je n'ai personne non plus, mais je ne songe pas du tout à me tuer pour autant. Allez, viens. Qui vous envoie. Mais on ne m'arrêtera pas. On ne me fera pas taire. On les a tués de la façon dont on veut me tuer. Qui les a tués? Il ne s'agit pas de quelqu'un. Vous le savez qu'il ne s'agit pas de quelqu'un. Qu'on me laisse. Je refuse de me laisser faire. Vous arrive. Oh, Dieu seul, où est-ce-vous? Delacroix, il était dans son labo, il a tué tous ses compagnons. Il est devenu fou, il croit que quelqu'un le poursuit. Où se trouve-t-il? Il s'est enfui, je ne sais où. Je vais le rattraper. Non, attention. Il a un revolver. Attendez, la police, elle est avertie. Madame William m'a prévenu au sujet de débit. Une chose est sûre, si la police voit qu'il est armé, ils vont tirer. Peut-être m'écoutera-t-il. Ne bougez pas d'ici. Ne dites rien aux autres filles. Vous attendez.
Aidez-moi! Fais du souci pour le docteur Klampert. Ne t'inquiète pas, il peut fort bien se débrouiller. Oui, c'est un type étonnant. Je n'ai jamais vu son pareil, je dois dire. Ça, c'est vrai. Pour nous toutes au collège, surtout pour celles d'entre nous qui sont sans famille, il a su, je dirais, combler un vide. Oh, c'est idiot de rester là sans rien faire. Il nous l'a dit, on fait ce qu'il nous a dit de faire. Je l'écoute toujours. Tu es amoureuse de lui, on dirait. Peut-être, mais de l'amour qui sort de l'ordinaire. Vois-tu, je me sentais perdue et seule au monde en arrivant ici. Il m'a redonné confiance en moi. Il m'a appris à m'admettre. Il m'a donné... Du potentiel? J'emploierai un autre terme. La puissance. La puissance? De quelle sorte? Oh, d'une sorte très spéciale. La puissance de l'instinct, la puissance de l'oubli alliée à la capacité de ne jamais plus avoir la sensation que ta vie est sur le point d'être balayée et qu'elle ne regarde personne que toi et que personne n'a le droit de te blâmer. Il t'a donné tout ça. Et plus encore. Toutefois, il ne peut t'aider si tu te rebiffes, il ne peut t'aider si tu lui résistes. Qui parle de lui résister? Pour l'instant, tu sais, je ne cherche qu'à coopérer. Eh bien, c'est facile en ce qui te concerne. Tu as des parents, de la famille. Non, j'avais juste une sœur et maintenant elle est morte. De mon vrai nom, je m'appelle Sayers. Martha Sayers était ma sœur cadette. À la vérité, je n'ai jamais cru à son suicide. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de venir m'inscrire ici. Quand elle était ici, le docteur Klampert voulait l'aider, mais elle n'a rien voulu savoir. Sois sans inquiétude, je suis certaine qu'on va découvrir ce qui est arrivé à ma jeune sœur. À Lucie et à Debbie. Je l'espère, Elisabeth. Du fond du cœur. Je ne l'ai pas trouvé, il s'est enfui. Et la police? Je ne sais pas ce qui la retient, mais il ne faudrait pas qu'il revienne et vous trouve. Je me demande s'il a jamais su qu'Elisabeth et Martha Sayers étaient sœurs. Je m'excuse, j'aurais dû vous le dire, mais c'est difficile de savoir à qui se fier. C'est naturel. Ne restez ni ici, ni dans vos chambres, où il se peut qu'il vous cherche. Venez plutôt dans ma classe. Verrouillez-en les portes, tirez les stores et ne laissez personne entrer. Pour cette nuit, éloigner les filles du collège. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Juste de vider le collège. Non. Non, vous en avez assez fait comme ça.
Je ne sais pourquoi je vous ai laissé agir de la sorte. Maintenant, c'est fini. Tout ce qu'il y a de fini. Oh. Je vous en prie. Pitié. Ne me demandez plus rien, je vous en prie. Je vous en prie. Jessica. Oui, docteur Klemperth. Vous faites ce que je dis. Oui, docteur Klemperth. Vous direz au personnel et aux élèves que c'est parce qu'on n'a pas d'électricité. Oui. On nous a prévenu que la panne allait durer longtemps et que c'est dangereux, que tout le monde doit quitter les lieux. Oui, tout ce que vous voudrez. Ça ne sera plus très long. On a presque fini. Il n'y a plus de place, montez dans les camionnettes. Venez. Dépêchons-nous, allons. Monsieur, on devrait utiliser nos voitures. En ordre de notre dragon. Elle craint que tous ces oies blanches ne saisissent l'occasion pour courir à un rendez-vous secret. Et ne répéter à personne que je l'ai appelé dragon. Ce sera notre secret à tous deux. Oui, notre secret. À propos, d'après le professeur Jenkins qui vient de le vérifier, il y aurait encore 8 élèves dans le collège. Très bien, ça n'est pas grave. Je les ramènerai avec la directrice. Ça va? Allez-y, Rudy! Qu'est-ce que c'est? On dirait un moteur. La police! Hé, ne bougeons pas, le docteur Klemperth nous a dit d'attendre. Je ne reste pas ici! Elisabeth, attends! Elisabeth! Attendez! Il est mort. Quoi? Dans ma voiture, il est dans ma voiture. Où sont donc les policiers? Ils en mettent un temps pour s'amener. Viens, on va le rappeler. Madame Williams. Madame Williams de la Croix est mort. On l'a assassinée. Vous demandez la directrice. Elle est sortie et elle m'a dit de l'attendre. Je vais sûrement être punie, vous verrez. Mais elle se trompe, c'est un mensonge. On lui a raconté des mensonges sur mon compte. Je ne sais rien de cette cave. Jamais je n'y serais descendue. Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien. C'est de votre faute. C'est sûrement vous qui lui avez dit que j'étais descendue dans cette cave. Téléphone à la police. Mais qui vous a donné l'autorisation? Mademoiselle Abigail défend de se servir de son téléphone. Mademoiselle! Mademoiselle! Je n'ai aucune réponse. La ligne semble coupée aussi. Tout le monde a filé. Ils sont tous partis. Parti? Qu'est-ce que tu me racontes? En autobus en direction de la ville, je les ai vus. Roberta, je crains que nous soyons seuls ici. Vous feriez bien de vous en aller d'ici. Mademoiselle Abigail va vous donner de mauvaises notes si elle vous trouve ici. Où est ta voiture? Elle ne sert à rien, on a pris les clés.
Écoute, allons sur l'autoroute, on fera du stop jusqu'à la ville. Non, c'est trop loin dans le noir. C'est mieux que de rester ici avec elle. Oui, avec le meurtrier du professeur Delacroix. Si on avait un revolver ou une arme quelconque. Elle en a peut-être. Oui, cherchons. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Abigail va vous renvoyer du collège. Elle ne va plus tarder. Attends une minute, il y en a un, je me rappelle. Quand on cherchait les accessoires pour la pièce de théâtre, j'en ai vu un en bas dans une boîte en métal. Tu en es sûre? Oui, un des gardiens l'a mis là. Je crois qu'il y a un revolver et au moins deux fusils. Je vous défends de descendre. Je vous défends de descendre. Il faut comprendre, mademoiselle Abigail dit qu'elle ne veut voir personne dans le sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'autoroute ou on cherche le revolver? Le revolver. Je vous en prie, restez ici. Elle va dire que je vous ai envoyé pitié. Vous devez rester. Je vous en prie. Restez ici et asseyez-vous. Et on lui dira que vous n'avez rien à voir avec tout ça, d'accord? D'accord. Et dites-lui que je ne suis jamais allée là-bas. Tout ce que vous voudrez, mais on vous demande de rester là sans bouger. Roberta, d'accord. Dépêche-toi. Il va le savoir. Oui, mademoiselle Abigail le lui dira. Elle finit toujours par tout lui dire. Caché sur le dessus d'habitude. Je l'ai. Il n'y a plus de fusil. Le revolver. Attends, je regarde. Et les balles? Tiens-le. Tu sais te servir de ça? Oui, j'ai appris toute petite avec mon père. Je suis née et j'ai vécu sur une ferme. J'ai peur, allons-nous? C'est peut-être une de nos compagnies, il faut aller voir. Viens. D'accord. Marchons l'une à côté de l'autre au cas où je devrais tirer. Attendions, Elisabeth. Enfin, vous voilà. 8 de mes filles sont mortes ici. 8, seules dans la vie, exactement comme vous, comme elles. J'ai attendu trop longtemps. Voilà que j'en ai trouvé 8 pour les remplacer. Il n'y aura personne pour s'inquiéter de leur absence. Ce n'est pas une coïncidence que nous soyons sans famille, Elisabeth. Il fallait qu'il en soit ainsi. C'était obligatoire. Jody, Roberta, qui croyez-vous qu'il soit? On le sait. Malleus Maleficorum, ou le prince des damnés. Ou plus couramment, Satan. Ceux que l'homme méprise, je les reçois. Je fais appel à tous, faibles et maudits. Et tous les réprouvés viennent à moi. Vous n'allez pas croire cela? Qu'il est Satan? Aucune d'entre vous ne peut croire ça. Elles ne peuvent faire autrement.
Cette nuit, elles vont toutes sacrifier, de plein gré leur vie, dans cet antre où a lieu le crime. Et elles s'en iront avec moi. Vous êtes fou. Écoutez-moi. J'ignore jusqu'où et de quelle façon il vous tient. Mais il a tué Delacroix et Debbie. On le sait, Elisabeth. Suivez-moi de plein gré, vous aussi. Votre sœur n'a pas voulu. Ni Lucy Dambrough. Vous ne l'écouterez pas. Il est seul contre 8, je vous en conjure. Vous devez vous en aller d'ici. Pour l'amour de Dieu, faites vite ou il sera trop tard. Trop tard, Elisabeth. Elles se sont déjà prononcées. Venez. Par chercher la huitième. Il y a le feu au sous-sol. J'ai complètement laissé de côté l'arrosage des plantes. Surtout, ne dites rien, mademoiselle Abigail. Je ne lui dirai rien, mais à condition que vous me suiviez sans discussion. Donnez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Venez. Non. Sortons, ne restez pas là. Non, je veux voir ça. On dépêche-vous. Parler du risque possible d'incendie. Je crois qu'on arrive trop tard. Sorti? Non, il en est resté. Mais où est la directrice? Il faut qu'elle avertisse leur famille. Elle n'en avait aucune. Où est le docteur Clampett? Il expie ses crimes.